Bonjour, Ménin, fais papillon à devenir. Alors aujourd'hui, on est le 48e jour du défi de Lilou. On démarre un nouveau mois. Et aujourd'hui, donc le défi et le thème, c'est l'activité professionnelle. Les activités professionnelles sont censées rapporter de l'argent, mais ont aussi des inconvénients. Donc, il est parfois utile de faire le bilan et de l'un et des autres aspects. Par exemple, les 2 heures de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail, non seulement ça a un coût, mais ça engendre de la fatigue et donc tout n'est pas chiffrable, mais tout a une valeur. Je suis bien placée pour le savoir et c'est bien ce qui me pèse pour l'instant. Alors, l'exercice du jour, c'est de répondre aux quelques questions. Donc, qu'est-ce que vous rapporte votre activité professionnelle du moment? Donc, chiffrable, soyez précis. Et non chiffrable. Alors, qu'est-ce que vous coûte votre activité professionnelle du moment? Et quel bilan faites-vous à l'issue de cet exercice? Aimeriez-vous changer quelque chose? Si oui, quel est le premier pas? Donc, moi, je sais. Pour moi, c'est très clair. Mais voilà, patience, on m'a dit patience, donc je dois avoir patience que mon autre activité professionnelle démarre. Donc voilà, on prend son mal en patience, comme on dit. Et donc, à part ça, que vous dire de plus aujourd'hui? Donc, on est le 1er mars. Demain, c'est la pleine lune. Et ce mois de mars est particulier parce que nous aurons deux pleines lunes. Donc, nous aurons le 2 mars, donc demain, et nous aurons le 31 mars, une nouvelle pleine lune. Donc, ça va être un mois costaud. En tout cas, cette pleine lune-ci était pleine d'émotions, pleine de remontées d'émotions, de colère, enfin voilà, beaucoup de nettoyage et voilà, de choses qui remontaient à la surface pour être nettoyées, je pense. Donc voilà. Voilà, un joli mois de mars qui débute sur les chapeaux de roue avec cette jolie lune qui nous bouscule tous un peu. J'ai entendu beaucoup de fatigue, beaucoup de tristesse, de cafard, pas le moral. Ben voilà, je pense qu'on est tous un petit peu bousculés par cette lune. Donc, on s'accroche et puis voilà, quand elle sera passée, ça ira mieux. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain